Bonsoir, chers Ivoiriens. Je ne vais pas rester long. S'il vous plaît. Vraiment, c'est avec la fatigue que je suis obligé de venir me mettre là devant vous pour faire une petite annonce très rapide. Parce que je préfère le faire en direct pour qu'au moins ça soit bien perçu. Alors, il faut dire que avec les directs, avec les réceptions, avec les prières pour les gens en longueur de journée, c'est vrai que je suis fatigué. Si j'enlève mes lunettes, vous regardez mes yeux, je suis très, 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 très fatigué. Mais j'ai une annonce très urgente à faire. Je ne pouvais pas la laisser comme ça parce que nous sommes en période de guerre, on m'a dit en période de combat. Non, on ne peut pas dire je suis fatigué, je vais laisser l'ennemi continuer son travail. C'est pourquoi, avec le peu de force qui me reste, je viens quand même vous faire cette annonce. Ce soir, on a un direct de témoignage. J'espère que je vais pouvoir me reposer un peu pour qu'on puisse faire le direct de ce soir, c'est à 21h. Alors, je suis venu m'adresser aux policiers, aux gendarmes et aux opposants à ceux qui manifestent en Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, j'ai fait un direct. Je vous avais révélé, avant même que les gens commencent à aller tuer les gens, je vous avais révélé que l'opposition voulait faire marcher des gens, c'est-à-dire infiltrer les gens parmi les gens qui marchent, pour que ces personnes cassent, ces personnes brisent, ces personnes détruisent, et puis on va dire que c'est l'opposition qui l'a fait. Alors, ce communiqué, partagez-le massivement. Ce qui a été décidé encore par le RDR, ce qui a été décidé actuellement par le RDR, je voudrais dire aux policiers de faire très attention et aux gendarmes de faire très attention et aux manifestants de faire très attention. Le RDR actuellement a fait une réunion. Ils ont fait une réunion avec des militaires, certains militaires. Et puis, ils ont fait une réunion aussi avec certains militaires, pas des militaires peut-être connus, mais il y aura des militaires peut-être en civil. Et il y aura aussi des rebelles. Que je dis des rebelles, je suis tellement fatigué, je sais même pas comment appuyer mes mots. Parce que là, mais normalement, en temps normal, je ne devais plus rien dire, je devais me coucher un peu. Ils vont prendre les microbes, ils vont prendre certaines personnes. Alors, quel est le but? Le but, c'est de brûler et de casser. Ils vont casser surtout des commissariats. Ils vont casser surtout des commissariats. Ils vont mettre le feu dans des gendarmeries, dans des endroits bien identifiés. Pourquoi? Pour accuser l'opposition. Et quand ils vont faire ça, les policiers et les gendarmes vont se sentir obligés de venir répliquer. Ils vont se sentir obligés de venir répliquer pour tirer sur ceux qui manifestent, pour frapper ceux qui manifestent et pour arrêter ceux qui manifestent. C'est une stratégie qu'ils ont décidée actuellement même où je vous parle. Donc je vais dire aux policiers, aux gendarmes, si quelqu'un va brûler un commissariat, une gendarmerie, si quelqu'un va attaquer un poste de police, ce ne sont pas les opposants, ce n'est pas les jeunes qui manifestent. Ce n'est pas eux. Je préfère vous le dire maintenant, pour ne pas que demain on dise, ah, c'est des jeunes rebelles, ils sont allés brûler tel commissariat. Ce n'est pas eux. Les jeunes qui manifestent actuellement là, tout ce qu'ils veulent, ils disent Alassane ne doit plus être au pouvoir et n'a pas renoncé à son troisième mandat. Ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas de couteau, ils n'ont rien. Ils marchent à main nue. Ils sont sur la route et ils font des barrages. C'est tout ce qu'ils font. Ils n'iront pas casser un commissariat, ils n'iront pas casser une gendarmerie, ils n'iront même pas vous attaquer, ils n'ont pas affaire à vous. Donc, je vous dis ça dès maintenant, ne vous laissez pas tromper. Si vous voyez des gens qui rentrent dans une gendarmerie pour casser, pour brûler un commissariat, un centre de, je sais pas, de contrôle de police et tout ça, ne dites pas que ce sont les opposants. Ils ne le feront pas. Ce n'est pas leur travail. Ce n'est pas pour ça même qu'ils sont sortis. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'Alassane dégage. Donc, c'est vous les policiers, les gendarmes qui devrez protéger le peuple.
Donc, comme ils savent qu'on fait des appels et qu'on vous dit de ne pas tirer sur eux, de ne pas leur faire du mal, ils veulent maintenant trouver une stratégie pour que vous vous levez pour tirer sur eux, pour les attaquer, pour les attraper, en croyant que c'est eux qui ont brûlé vos commissariats, c'est eux qui ont brûlé vos gendarmeries et tout ça. Donc, faites très attention. Je voulais faire cette petite annonce un peu rapidement pour me reposer un peu, pour pouvoir avoir la force pour mon direct de témoignage de ce soir. Les opposants, ou bien les manifestants, ceux qui manifestent, soyez organisés, soyez en groupe, soyez organisés. Que ce soit des manifestations cadrées, que ce soit filmé. Les gens qui vont vous attaquer, qui vont faire du mal, qu'on le voie, ne vous dispersez pas. Pour qu'on vous fasse du mal pour rien, et on va dire non, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Pas pour casser les biens du pays. Vous ne manifestez pas pour casser des commissariats. Vous ne manifestez pas pour casser des postes de police. Tout votre but, c'est que Alassane Ouattara, le gros menteur de la Côte d'Ivoire, dégage. C'est tout. On ne veut plus de lui. Personne ne veut de lui. C'est ceux qui mangent à lui qui disent qu'ils veulent de lui. Sinon, les Ivoiriens eux-mêmes, là, toute l'Ivoire ne veut plus de lui. Donc, c'est notre droit de manifester. C'est notre droit de dire qu'on ne veut plus de lui. C'est notre droit de dire qu'il parte. Ça, c'est notre droit. On a le droit de le dire. On a le droit de dire qu'on ne veut pas. De la manière qu'on l'a accepté, on l'a acclamé, on l'a fait asseoir, c'est de cette même manière qu'on lui dit de partir. Voilà. Ils sont en train de parler de lui. On dit, mais Alassane, toi, on t'a donné carte d'entrée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu t'opposes à ceux qui t'ont donné carte d'entrée, tu leur empêches de rentrer dans leur pays. C'est toi qui vas aller donner des exemples au Mali. Tu ne peux pas venir donner des exemples au Mali. La vidéo est sur mon mur. Donc, ce que je vous dis, faites très attention. Il y a des infiltrés parmi les manifestants. Il y a des infiltrés parmi ceux qui revendiquent quelque chose. Alors, les policiers, les gendarmes, partagez ça. Vous connaissez un policier, vous connaissez un gendarme, vous connaissez des gens qui sont des autorités dans les pays. Envoyez-les, 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 envoyez-les. Voilà, envoyez-les cette vidéo. Ne vous laissez pas berner. Les enfants qui marchent, les parents qui marchent actuellement là, ils n'iront pas casser gendarmerie, ils n'iront pas casser police, ils n'iront pas vous attaquer. Ce sont les opposants. Ils ont fait la réunion. Ils ont déjà fait la réunion. Il y a des militaires qui vont se mettre en civil. Il y a des microbes qui vont se mettre qui vont aller vers vous pour casser des brûlés des commissariats, attaquer des postes de police, blesser des policiers, faire des trucs, et puis ils vont dire que c'est les opposants. Mais ça là, c'est dévoilé déjà haut. On vous l'a déjà dit. Je l'avais déjà dit ici avant que même les manifestations ne commencent. Je l'avais déjà dit. Je suis venu vous répéter que c'est confirmé. Même Daoukro là, où on dit qu'ils ont brûlé le siège du RRDR ou bien RHDP à Daoukro, c'est faux. C'est faux. C'est leurs propres microbes qui sont allés brûler ça. C'est leurs propres microbes. C'est eux qui ont brûlé pour accuser Bédié. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Pas prêts pour eux. Les policiers n'ont pas envie de tuer leurs frères. Les gendarmes ne sont pas prêts à tirer sur les gens. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour que vous vous levez pour aller tirer sur eux, vous vous levez pour aller les attraper? C'est d'aller brûler vos postes de police, vos postes de gendarmerie, tout ça. Et puis, vous allez croire que vous êtes attaqué par ces personnes-là. Et puis, vous aussi, vous allez vous lever pour aller les attraper, les blesser, les tirer dessus. Ne tombez pas dans les pièges. Très malin. C'est eux qui sont en train de faire tout aujourd'hui. Partout, 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 partout. Vous savez, même les microbes là, les microbes là, c'est eux qui les donnent les armes. Hein. C'est eux qui entretiennent les microbes. Hein. C'est eux qui nourrissent les microbes. C'est eux qui prennent. Les microbes, c'était leur plan B. Les microbes sont là pour eux. Ils sont depuis longtemps. Pourquoi les microbes ne sont pas quittés dans le pays? Les microbes sont là pour le gouvernement. C'est eux qui les donnent à manger. Vous croyez que quoi? Donc, je suis venu vous prévenir, chers gendarmes, chers policiers. Chers policiers, vous êtes des Ivoiriens, nous vous aimons. Le peuple n'a rien contre vous. Le peuple n'a rien contre les policiers. Ce n'est pas à vous que le peuple a affaire. Le peuple dit Alassane n'a qu'à partir. C'est tout. Le peuple dit Alassane n'a qu'à partir. Donc, s'ils vont brûler vos endroits, ce n'est pas le peuple. S'ils vont brûler vos commissariats, ce n'est pas le peuple. C'est la manigance du RDR. C'est RDR. C'est la manigance du RDR. Ils ont fait cette réunion.
Ouais, ils ont parlé à des militaires, ils ont fait cette réunion tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Oh. Je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Ce soir, on a notre direct de témoignage. Merci beaucoup. C'était ce que je voulais dire. C'est à vous de partager, 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 partager partout, partager partout, partager par Messenger, partager ça comme du pain pour que tout le monde soit au courant. Quand demain, ils vont accuser nos enfants, nos frères, on était déjà au courant. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, 21h pour ceux qui prient avec moi. Merci. Au revoir.